messieurs, dames, spaisona.com. Aujourd'hui, vous tiens vraiment à vous présenter ce modèle de spa. Donc, on est sur un spa là, qui fait 254 par 154 et hauteur 80 cm. Donc là, on va être toujours sur la même conception. Notre fond en Everlast, notre châssis, notre cuve acrylique thermoformée. Sauf que je viens de vous dire une bêtise, c'est pas de l'acrylique, c'est du safety grip. C'est une matière un peu plus... un peu moins prestigieuse, mais qui permettra d'avoir des prix de spa à moindre coût. Donc là, par exemple, sur un modèle comme ça, on sera sur un modèle qui va sortir approximativement, regardez sur le site internet, j'ai pas les tarifs en tête, on va être sur un coût de 4300 et quelques euros livré devant chez vous. Voilà, comme je vous l'ai dit donc précédemment, on est sur un spa avec un safety grip, donc qui permettra d'avoir un spa à moindre coût. Mais c'est pas parce qu'on est à moindre coût que Passion a délesté les pompes ou l'électronique ou quoi que ce soit. Nous serons équipés sur un panneau Balboa avec électronique Balboa, sauf qu'on sera sur un panneau de commande qui sera beaucoup plus simplifié. Voilà, donc là je vous le présente en étant à l'intérieur du spa. Donc comme vous pouvez le voir, là on est sur une gamme. Passion tient à vous proposer des modèles de spa où en fait il vous propose trois niveaux de finition différentes. Donc là on est sur la finition Diamond. Donc on va retrouver, on va être équipé sur une trentaine de jets à peu près approximativement, voire un peu plus dans la fiche technique du produit. Je ne les ai pas tout en tête, je vous prie de m'excuser. Mais comme vous pouvez le voir, vous allez avoir des trous qui seront préformés. Alors suivant le niveau de finition, bah, si on est sur la gamme supérieure, bah, tous les trous préformés seront utilisés pour avoir un massage hydrothérapique. Voilà, nous allons retrouver donc toujours pareil notre Novan au niveau des commandes équipées de la luminothérapie. Comme vous pouvez le voir, ces modèles ne sont pas équipés d'appui-tête, tout simplement pour avoir une gamme un peu plus soft. Nous retrouvons sur la gamme Diamond que je vous présente actuellement, nous retrouvons la luminothérapie et sur la gamme supérieure, on retrouvera aussi les repose-verts lumineux. Nous retrouverons aussi ici la cascade et différents points de massage. Alors au niveau des massages, nous allons retrouver massage au niveau des cervicales ici en massage fixe, deux jets en massage fixe ici, un jet rotatif ici. J'ai au niveau des lombaires et un gros jet au niveau des lombaires aussi. Pareil, nous allons retrouver sur les entrées de gamme, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le fameux capot qui est à enlever, le panier de préfiltre et la cartouche de filtration qui est située à l'intérieur. Voilà, pour finir, je tenais aussi à vous présenter les différences. Là, je vous ai présenté tout à l'heure le modèle Diamond et là, je vous présente le modèle Luxury. Donc on voit, on aura un peu moins de jets à l'intérieur du spa et aussi on sera une finition au niveau des jets, on sera sur une finition qui est un petit peu différente, donc ce qui permet d'avoir un spa en entrée de gamme, donc avec un prix aussi très attractif. Voilà, spaisona.com vous remercie d'avoir pris 5 minutes pour regarder nos vidéos. Au plaisir de vous recevoir dans nos showrooms. À très bientôt, au revoir.